Eh bien salut tout le monde, c'est Waza! Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous expliquer comment tuer facilement un mastodonte. Donc en fait c'est tout simple, là j'en ai tué un gars qui avait tous les atouts. Donc en fait je me suis retrouvé avec livraison express. Ce qui fait qu'en fait j'avais des termites toutes les 30 secondes, je crois que c'est ça, ou 50 secondes, je sais plus, je crois que c'est 30 secondes si je dis pas de bêtises. Et en fait il y avait deux mastos autour de moi. Et mes deux alliés étaient morts, mes deux mates. Et je me suis dit, bon écoute, je suis écouté les gars, pourquoi pas se taper un petit délire, on va voir s'ils s'affrontent ou j'essaie de me les faire. Et en fait ce qui se passait c'est que le mec il bougeait pas de la tour de pompier. Donc du coup je vais lancer des termites, toutes les 30 secondes du coup je vais lancer des termites. Et ce qui fait que ça lui a fait pas mal baisser la vie. Et vous allez voir en fait que le masto en fait de la tour de pompier au bout d'un moment, je sais pas, il comprend pas en fait que où je suis en fait tout simplement, je suis en dessous de lui quoi. Et ce qui va se passer c'est que le masto va rush l'autre masto en camion. Donc du coup ce qui fait que bah moi je vais taper dans le tas en fait pendant qu'ils sont en train de se fight. Et il n'y a pas beaucoup de méthodes pour tuer un mastodonte, très clairement les balles de sniper dans la tête ça peut faire vachement mal je pense. Mais c'est pas la meilleure solution hein, très clairement, je pense que tu lui mets une bonne termite dans la bouche. Après faut bien lui la coller quoi. Si tu lui mets à côté je pense pas que ça lui fait énormément de dégâts, mais si tu lui colles la termite, très clairement je pense qu'il a pas beaucoup de chances de survivre, très clairement. Si en plus tu lui mets des balles à côté, si tu lui mets des balles de sniper, surtout j'étais en solo, donc si vous étiez en trio, quatuor, ça va être largement plus facile que ça quoi. Donc ouais très clairement, je vois la termite les gars, hein, parce que le C4, tout le monde jouait C4 avant, mais vu qu'il était patché, il sert plus à rien. Donc voilà, vous allez voir, ouais, le masto il a pris le camion. Donc le camion il va rush le masto avec le camion, donc c'est complètement what the fuck, j'ai rien compris en fait. Je me suis dit, bon les gars, vous savez quoi, déjà c'était une game pas terrible, hein, j'étais à 3 kills, on voyait quasiment personne. Et je me suis dit, bon écoutez, on a rien à perdre, je vais taper dans le tas. Et très clairement, c'est du grand n'importe quoi. Vous allez voir l'action. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà, moi j'ai acheté les deux paralysantes. Après je sais pas si les paralysantes sont vraiment, comment dire, efficaces. Surtout qu'ils ont dur sur le combat les mastos, donc je sais pas du tout comment ça fonctionne, j'ai jamais joué au masto donc je peux pas vous dire. Déjà je vais commencer par mettre des petites balles de car. Et surtout vous restez pas dans sa ligne, parce que si vous restez viseur fou dans sa ligne vous êtes mort, vous allez vite ce que ça tue. Donc, je mets une termite, je mets une deuxième termite que je vais coller en fait. Donc, voilà il est mort, très clairement il est mort en fait avec la termite. Et le deuxième je l'ai tellement amoché avec les termites au top que bah voilà je vais lui mettre Attends. Tout simplement petite balle de car. J'allais pas vous laisser qu'un seul exemple, je vous mets un deuxième exemple que j'ai fait en solo. Donc là je me suis dit pourquoi pas. Allez vas-y, je vais aller rusher le masto, je prends la voiture et tout, j'ai du rush dedans, j'étais à 11 kills, il restait 36 gars. Je voyais personne depuis une minute ou deux, je sais pas, écoutez, hop, je rush le masto. Donc ce que je vais faire, je commence à le rusher. Et qu'est-ce qu'il fait l'autre masto? Qu'est-ce qu'il fait l'autre masto? Il prend la voiture et il s'en va. Mais oui, il s'en va le petit masto, il s'en va. Je me suis dit, allez, c'est quoi? On va pas le laisser comme ça, on va le rusher. Déjà, il y a un truc qui fonctionne pas, il y a plein de gens qui m'ont demandé, ouais, est-ce que si tu l'écrases, le masto il meurt direct? Ah, regardez. Voilà, il est pas mort. Il n'est pas mort. Donc pour la deuxième astuce, ce que je vous dirais, en vrai, c'est jouer avec une frappe. Je l'ai paralysé et je lui ai mis une frappe directement sur lui. Bah après, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais pas du tout si on dure sur le combat, ça compte vraiment totalement le... Comment dire, les paralysantes. Mais en tout cas je sais que j'ai réussi à tuer comme ça. Et vous allez voir, il y a un petit truc sympa qui va arriver après. Mais vraiment c'était du grand n'importe quoi ce game. Je suis mort à 17 kills, je crois qu'il restait une vingtaine de gars, bah, à la fin j'étais dégoûté mais. C'est le jeu quoi, c'est le jeu. Et là vous voyez un masto, enfin un masto n'importe quoi, un bouclier en fait. Et je me suis dit mais attends, il y a un mec au-dessus de lui, mais pourquoi en fait il lui tire pas dessus quoi. Mais en fait c'est juste que je pense qu'ils étaient potes et ils sont rejoints en solo, ou alors la petite technique du petit cœur par terre, je pense pas que ça fonctionne, hein. Je pense que c'est juste des potes en fait qui se sont dit vas-y je joue au bouclier et puis moi je te suis derrière histoire qu'on fasse une grosse game. Bon, en vrai je trouve ça complètement dégueulasse, mais vous allez voir qu'ils vont se manger le karma parce que bah, je vais les niquer. Eh ouais, fallait pas me rusher comme ça, ils ont pas compris. Même si en vrai moi j'ai eu un peu de chance, hein, on va pas se mentir. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner, à activer les cloches de notification. Allez, ciao tout le monde.